Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Live Ça, dans l'occasion Journée internationale femme, ou si vous voulez, Journée internationale droit femme, qui célèbre à travers le monde là, chaque année, jour 8 mars. Là. Pour qui ça, journée ça? Eh bien, c'est pour capable célébrer réalisation femme à travers les ans et dans tout secteur d'activité, social, économique, culturel et politique. C'est pour capable tout sensibiliser public là, sensibiliser société hein, sous lutte pour égalité des sexes. Mesdames, yo a bataille pour réclamer droit yo. Non pas c'est Sabine Désir, cofondatrice directrice Miss Haïti organisation. Et moi-même moi c'est Farah Larieux, cofondatrice et directrice Taylor Management Group. Je dis à c'est un plaisir pour nous là, pour nous avec nous dans une spéciale ça pour nous capable partager ensemble avec nous. Idée nous, opinion nous et surtout pour nous capables d'avoir une belle, très belle conversation. Avec Falarieu, nous gagnons presque même carrière, même parcours. Nous tous les deux commencé dans les médias et ensuite nous venons gagner propre entreprise par nous. Et toutefois, nous gagnons en formation différente. Moi-même, moi c'est de formation, moi c'est ingénieur en sciences informatiques que moi j'aime pratiquer et vous même Sabine. Moi, j'ai commencé, j'en dis, dans les médias, plus précisément avec concours de beauté. Et de là, j'ai vient entrer dans présentatrice et autres. Et du côté professionnel, j'ai étudié marketing, relations publiques, gestion des ressources humaines, psychologie, que j'aime pas finir, mais j'ai peut-être mon objectif parce que c'est passion, moi, ça est. Donc, je suis capable de dire que le parcours est vraiment, j'en dis, est similaire, peut-être à des époques différentes pour le début, mais oui, il est similaire. En effet, des époques différentes. Et moi, j'ai commencé dans fin 90, tout de suite après mes études classiques. Et même quand pendant ma fait philo, j'ai commencé déjà à faire stage dans Télémax. Et dans l'été 97, j'ai fait stage et dans Télémax et dans Vision 2000. Mais, et ou même, ou ces générations et 2000. Voilà, donc. Yeah. Une génération du 21e siècle, millénaire, et avec, dans la période, pas une instabilité politique, mais au moins payant à fonctionner. Et pas même... quoi, non, pas quoi une génération qui pique traumatisée que génération PAM, non, parce que nous pas jamais passé deux ou trois ans sans que pas une turbulence politique et sociale qui vienne faire vraiment une dégradation au niveau social, culturel, au niveau valeur. Vraiment, je pense que ces générations, malheureusement, qui subissent beaucoup plus. Alors, l'histoire du pays d'Haïti. C'est vrai. Et dans le temps moderne, nous avons pensé que nous avons fait progrès, et pourtant, nous avons progressé comme société. Et je pense que les gens qui font sociologie, les gens qui étudient la sociologie, peut-être que tu as supposé parler un petit peu plus pour aider les jeunesse, peut-être, bon, pas peut-être, sûrement, les jeunesse, puis comprendre ce qui a passé. Parce que moi-même, je n'ai pas compris et je trouvais que ce n'est vraiment pas normal. Non, c'est que nous vivons pour un pays où les progresser, c'est régresser, après régresser vraiment à vitesse exponentielle, mais moins, you know? Donc, nous avons vraiment besoin que gagne une sorte de palais qui fait sous ça pour jeunesse là, pour moun ki nan l'âge mais qui pipiti toujours, pour comprendre et peut-être que ça peut aider nous puis devant pour société noire, parce que je pense que si nous pas comprendre, nous pas accepter et pas un travail qui fait dans niveau ça, malheureusement dégradation a continué. En effet, grand pile pour nous parler sur dossier ça. Et la journée internationale femme, journée internationale trois femmes, ou même comme entrepreneuse
et qui commençait dans des circonstances très difficiles dans les années 2010 et même pratiquement après le tremblement de terre tout. Et vraiment directement après le tremblement de terre. Et parlez comment commencement carrière ou t'es, comment famille ou t'es recevoir, comment société, entourage ou t'es recevoir. Moi, je suis capable de dire que c'est un bagage que j'ai commencé avec un pile naïveté. C'est juste une passion, un côté que moi beauté belle qui ça qui t'est venu motiver moi. Bon, pour me raconter vraiment ça qui t'est motivé moi, surtout pour entrer dans le monde concours de beauté. Hein. Pour le premier concours que j'ai fait, ça qui t'est motivé, c'était parti intellectuel, concours ça t'est promote. Parce que moi, je suis dans la famille, côté papa m'a toujours poussé pour dire que ou capable faire ça, il est toujours et dans la nouvelle, ça c'est dans le journal, il est toujours à demander mon opinion comme si qui ça me pensait, qui ça pour me dire. Ça me pour me dire dans l'église tout côté que me taper évolué au niveau biblique, c'était même bagarre ou toujours une opinion ou toujours à réfléchir pour mon bagarre pour faire. Donc ça t'est venu attirer dans concours, moins venir entrer là-dedans. Et c'était quel concours? C'était Miss Anaïse. Et lui vient continuer pour venir au niveau vraiment international, c'est moi t'ai gagné moi participé en Guyane, t'as gagné l'élection Miss Guyane côté Anidi, Azael t'a invité en tant que Miss Haïti, moi t'ai allé ensemble avec lui. Le moi arrivé, l'autre bord, y aurait Lily sous scène pour saluer lui pendant déroulement final Miss Guyana et m'étais quitté parti côté m'étais devant VIP et autre juste pour m'aller dans mi-temps pour capable faire photo et vidéo et puis là moi vinn rentrer dans la salle et puis m'garde réaction guyanais ou étrangers qui étaient là pour même je pas t'attendre à ça du tout dans Miss Haïti. Donc là il monte scène c'est waouh et puis dans demain si Dieu veut nous te gonbonne je t'ai invité nous encore une fois bon dame qui prend même parce que moi raconter histoire ça peut-être dans des interviews que j'ai déjà qui prend même qui comme si qui a pas dit l'autre c'est haïtien moi et puis a dit non ou pas haïtien oui c'est haïtien ou pas vivre Haïti non m'a vivre Haïti. Donc pour même les pas comprendre que gagne monde ça en Haïti qui capable faire ça qui gagne niveau éducation et qui belle. Je n'ai pas accepté ça et ça qui t'a fait me comprendre. Hey, il y a un bagage qui capote beaucoup plus que ça, mon passé avec le concours international de beauté. Il y a un message, il y a une image que nous véhiculons avec Haïti qui est extrêmement important, qui vient faire que je me comprendre pour qui ça, qui raison qui est capable de faire que je suis capable d'impliquer là-dedans parce que c'est noble. Donc, vous faites expérience de perception que l'étranger gagne de nous-mêmes Haïtiens. Vous regardez nous très bas. Vous regardez nous comme un peuple qui n'est pas éduqué, comme un peuple qui n'est pas évolué, comme un peuple de misère. Et donc, et participer dans un concours de beauté et pour assister à un concours ça en Guyane, c'est comme on dit en anglais, eye-opener, une révélation pour même pour te voir que, ah, bon travail qui manquait fait au niveau international. Maintenant, lors de lancer comme entrepreneuse, ou fondé Miss Haïti organisation avec qui est-ce encore? Anedi, avec Anedi Azael et Chris Presentela tout. Faut que moi dire que à l'époque c'était quelle année? En 2013. Faut que moi dire à l'époque nous pas trouvé entreprise, nous pas trouvé entreprise, nous pas trouvé business, c'était juste une passion. C'est une passion, nous envie faire, nous pas n'était participer là-dedans pas qu'on gagne ça qui fait Haïti, nous est qui ça qu'on capable faire avec lui nous juste lancer avec toute naïveté nous, toute inexpérience nous, toute ça qui enfantin était là quand nous parce que à l'époque nous à peine gain vingtaine. Donc c'est il pas vraiment entrepreneuriat et famille qui j'ai été accueilli et implication dans ça, j'ai gain chance, moins gain chance, gain une famille qui vraiment très ouverte qui te moun fait ça que on envie faire j'en qu'on voulait faire du moment qu'on sous bon chemin parce que dès l'enfance c'était bonne direction pour ban nous donc on croit dans ça que nous a faire la difficile pour petit frère sœur et moi-même à l'écoute parent pour dire nous a fait telle bagarre pour pas camper derrière nous parce que on connaît qui ça que comme si on connaît valeur que on t'a inculqué nous et on connaît qui direction que nous a prendre n'importe qui ça que nous décider faire ou juste camper derrière nous. En d'autres termes, c'est carrière ou choisir ou pas choisir carrière. Effectivement, parti ça, oui. Et c'est ça, moi, toujours dit pour moi tout, parce que carrière, moi, commencé et de façon très circonstancielle, même j'ai avoir après l'amour papa, des besoins, une certaine autonomie financière de maman. Et c'est ainsi que, comme à l'époque, je dansais à l'école de danse et internationale de Harry Polycarp, et un partenaire de danse, moi, c'était Pierre Bonsi. Et donc, c'est ainsi qu'à l'époque, les mêmes Pierre Bonsi, tu as gagné une émission
et sur Radio Haïti Inter. Et mal côté me dit, est-ce que dans Radio Haïti Inter, il y a une position pour jeunes et capables de travailler dans le week-end? En façon, pour que ce soit un petit bonhomme de gagner, hein? Étape utilement parce que j'ai besoin de sentir que je suis autonome et que je suis capable. Culture. Nous pas une culture ça Haïti, excusez-moi. Comme jeune, comme si on peut finir l'école pour travailler. Voilà. Mm-hmm. Et donc, ça me fait dire que moi, je suis un monde qui commence à travailler depuis l'âge de 12 ans. Chaque été, dès qu'on travaille dans une série de snacks que Janine Noël, de regretter mémoire, t'es gagné, qui était une cliente, une maman, une dame admirable, exceptionnelle, Janine Noël, et il t'a gagné une série de snacks. Et c'est ainsi que dès qu'on chaque vacances et même les vacances de Noël, je suis travaillé à la Kaili à partir de l'âge de 12 ans et ça était bon pour tout. Donc, je suis habitué à l'autonomie financière. Ça, et donc, c'est ça qui fait que je suis toujours continué à chercher l'autonomie, ça, même là, je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Et c'est ainsi que Pierre Bonsi est pour le référer au Denis, et Robert Denis et Jacqueline Denis. Et voilà, le reste de cette histoire, je vais commencer dans Vision et dans Télémax. Vision 2000, c'est à la faveur durant la préparation de notre de notre cérémonie de graduation et pour classe Philomena CCF. Et puis Pierre Bonsi toujours pour le référer à Reginald Lubin qui à l'époque était directeur programmation dans Télémax. Directeur programmation dans Vision 2000. Et c'est ainsi que depuis lors, moi-même avec Reginald Lubin, nous préparons toute cérémonie graduation. Reginald Lubin était maître de cérémonie pour graduation nous. Et c'est ainsi que après, Reginald Lubin pour le proposer mon fond stage en Vision 2000. Et c'est là que j'ai rencontré de monde comme Pierre Thibault Junior, Robert Philomé. Et donc voilà, la carrière avait commencé. Et de là, je fais Vision 2000, Télémax, Signal FM, ensuite Planète Créole. Et on va me quitter Haïti. Donc, et entre-temps, on va venir commencer Taylor Management Group en 2002 que Pierre-Michel Théodat t'a proposé tout pour te lancer avec l'idée et d'avoir une agence de communication pour faire la promotion de l'art haïtien sur le marché international. Donc, tout est circonstanciel. Maintenant, où Gaëtan dit nous comment famille ou te recevoir, on va dire même gens, moi-même tout. Même si on dit, hein, ma maman toujours encadré depuis petit pour tout ça m'a fait. Et c'est ainsi que même avec carrière moi dans communication, ma maman était vraiment encadré dans ça et était accepté. Maintenant au niveau société, hein, qu'on y a aussi entrepreneuse, fort ou fait entrepreneuse sociale. OK, entrepreneuse sociale, mais précision, hein, ouais. Parce qu'en fait ou ouais aspect ou, bon bien sûr ou même ou dit que ou pas commencer carrière avec une idée que ou pral faire l'argent. Donc c'est naïveté, c'est avec une vision de représentation d'Haïti à travers les concours de beauté qui c'est un concept extraordinaire. Donc tu as le concept ou même avec un de partenaires, nous gain concept là, faut nous faire marketing, faut nous faire promotion, faut nous faire production d'événements et faut que nous gain franchise. Comment société en route et en Haïti te reçoit particulièrement société machiste? Qui genre société a te recevoir? C'est difficile pour me répondre parce que naturellement pas un monde qui branche réseaux sociaux ni qui a informé de comme si ça mon a dit ça mon a fait naturellement pas trop comme ça mais dans relation qu'on capable dire dans démarche côté que nous déplacer chercher sponsor essayer parler de vision nous qui ça que nous voulons faire qui ça que nous ta offrir comme opportunité il est pas facile encore pire pas facile justement parce que c'est pas ça pas rentrer dans culture nous et concours de beauté et à travers le monde nous capable dire ça va dépendre de société c'est une activité qui est très controversée donc qui vient faire que au niveau social c'est pas que ça mon yo était habitué avec Miss Anaïs Miss Vidéo Max mais Miss Haïti et Haïti qui peut aller dans un concours de beauté international que nous pas connait sa génération pas mais surtout pas avant 2010 li un petit genre difficile pour faire moun comprendre et accepter qui ça que lié et pour qui ça lié important. Et faut nous préciser que les concours de beauté internationaux en Haïti
et rempli de controverses aussi. Sont remplis de controverses. Oui. Donc, il y a plusieurs scandales, il y a plusieurs mécontentements. Donc, ça veut dire nous-mêmes, nous venons rentrer dans un milieu côté qui est méconnu et qui a une controverse. Exactement. C'est exactement ça. Et est-ce que nous avons senti que tu es accepté, tu recevoir le concept là facilement ou bien est-ce que tu as une attaque personnelle qui t'est faite? Est-ce que tu as senti que tu es réceptif? Comment c'était? Particulièrement dans les médias. Les gens s'étaient intéressés à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est une activité, côté une émission, il y a des jeunes filles, ça a répondu à une question, ça qui a présenté le projet. Parce que tu as une histoire avec le concours de beauté quand même en Haïti. Nous n'avons pas quoi habitué avec le format ça, puisque nous sommes habitués avec le format Miss Anaïse, Miss Vidéo Max, c'est beaucoup plus penché sur intellectuel. Parce que si vous pas. Si vous n'êtes pas solide intellectuellement, au niveau éducation et autres, c'est difficile pour gagner dans un concours ça que moi-même j'ai fait tous les deux d'ailleurs, d'une que moi j'ai été monté dans le top 5, ensuite d'une que moi j'ai gagné. Donc, la société était habituée avec ça. Mais le concours de beauté que nous-mêmes nous venons avec le format, il vient prendre un petit temps pour que nous comprenions que, hey, la partie intellectuelle est toujours importante. Et bagage et jeune fille, ça que lui-même il veut projeter, toujours important, mais il vient gagner une responsabilité qui est beaucoup plus que l'autre mesdames avant. Et malheureusement, avec moins d'encadrement. Mais ce qui signifie que nous avons visé plus haut. Oui. Et visé plus haut avec un ça veut dire des filles plus élevées. Plus voilà. Yeah. Et donc, là, on a préparé jeune fille haïtienne pour aller dans le concours Miss Univers. Oui, bon, pas Miss Univers seulement, des concours internationaux. OK, concours internationaux, parmi lesquels Miss Univers, qui l'autre encore, nous avons gagné? Nous avons gagné Miss World, Miss International, les Pan-American, et c'est beaucoup. Il y a une jeune fille qui était passée, qui était allée dans l'Arena, tout ça, pas directement, et sous direction Sabine, même si direction, on ne peut pas parler de... comme si côté administratif, but implication Sabine, mais toujours sous bannière Missaïté Organisation. Ouais. Et donc, nous choisissons de lever un grand défi. Et pour vous, vous pensez que Haïti parle pour ça? Est-ce que Haïti paré pour ça? Moi, je pense que Haïti paré pour tout bagage, c'est nous juste besoin d'éducation. Éducation sur ça. Et puis, pour le peuple apprendre tolérance et respect. Je pense que nous paré pour lui. C'est compréhension qui peut venir par éducation qui fait. Et puis, tolérer les gens qui sont côté là par rapport avec les gens qui sont ça le qu'a fait, ça le pas qu'a fait. Comprendre. Et puis, comme ça, nous avons avancé. Nous avons un système qui a dégradé à tous les niveaux, mm-hmm. économique, social, politique, culturel, éducatif. Tout. Et nous avons préparé nous pour nous aller vendre Haïti sur l'autre, dans l'autre niveau. Intellectuellement, qui bagage intellectuel ouais que génération ça a connu les jeunes filles, les jeunes femmes du millénaire, les jeunes femmes du millénaire. Est-ce que qui défaut a gagné au niveau même intellectuel? Plus gros défi pour moi, ça c'est personnel, c'est mon avis personnel, plus gros défi c'est éducation. On va parler de éducation l'école non seulement, mais m'a parlé de éducation civique et éducation qui ça les monde comme ça que les l'étiquette sociale, savoir vivre vraiment. C'est pour moi même c'est plus gros challenge génération pas nous connait qui ça qui est important ça qui pas important dans qui ça pour éduquer tout et qui gens qui sont capables d'avancer ensemble avec lui parce que si tu as gagné plus jeune n'a parlé de jeunes filles comme c'est journée internationale droit femme avec femme si tu as gagné plus femme qui te prend temps pour vraiment pencher sur éducation ça qui est important ça qui pas important en fonction de vous même de ça qu'on choisit faire nous t'a gagné vraiment un déroulement qui est différent par rapport avec ça lié là qu'on y a aujourd'hui peut-être que c'est ça une jeune dans société qu'on y a moi même génération pas même style même génération même tu as gagné chance pas
gen tan fè enfans mwen avèk un pati nan adolesans mwen kote ki te gen règ toujou. Kote ki te gen un minimum ko, ou pou non ka fò pa ka fè paske sosyete a vwazin, vwazin pa ou pa pa aksepte nan mwen. Ou pa ka di nèpòt bagay, ou pa ka fè nèpòt bagay, ou pa ka pa abye nèpòt ki jan. Vreman se te gen règ. Te gen de règ ko konen ke ou dwe suiv ou pa ka pa suiv paske hey, yo te met di ko sa se maltreto tap maltreto, men wap pren baton. Ou apren baton sou pa pren baton pa on ni vire le gado seulement konn on a chou même là va pas le fond et but ou konn on a chou. Donc c'est parti ça que me penser que malheureusement yo pas joindre, vinn commencer vinn gonde laisser aller me penser que circonstances la vie fait vinn gen laisser aller ça en Haïti qui vinn faire que nous dans situation ça que nous est là je dis. Déchéance des valeurs malheureusement en Haïti et c'est ça que et femme dans pays c'est un problème que femme dans pays en Haïti et dans société haïtienne a, a subi parce que en fait et nous connaît et longtemps et je te dit que et m'a prendre et parole musique et tout cana un riche malhonnête puis pauvre que un pauvre honnête donc est-ce que kounyan est-ce que nous croyons dans question pauvre malhonnête et pauvre honnête là. Est-ce que kounya nous voulait qui rete nan gen une image parce que en fait nous rend nous compte ces jours-ci c'est le paraître. Voilà, c'est le paraître et social media, c'est monde qui gen plus viewers, monde qui gen plus followers et plus ou dit bêtises, plus ou joine et views et plus YouTube avec Facebook à payo. Donc c'est ça, c'est ça qui gagne dans moment, mais toutefois nous est que et des monde tant qu'on choisit et confronté disons ce qui se fait maintenant à contre-courant pour nous capables et changer perception et image que nous gagnons que l'international gagne de haïtiens et particulièrement de femmes dans le jour international droit femmes. Jodi nous avons une belle conversation et pour moi qui fait tant paraître et sous live là nous dit nous bienvenue et merci déjà pour tout le monde qui a fait commentaire et pour tout le monde qui vient pour faire commentaire en bas conversation ça n'a parlé de femmes haïtiennes dans millénaire ça n'a parlé de carrière de patriotisme de leadership. Donc, c'est une conversation forte que nous gagnons et certainement, nous avons eu une conversation ça tout au cours de l'année, pas seulement à la date du 8 mars. Très important, tu as supposé gagner au moins chaque semaine des conversations comme ça qui prennent pas seulement rester dans le live, mais que nous sommes capables de faire circuler pour vraiment capable peut-être gagner une sensibilisation qui peut faire une prise de conscience qui peut être capable de changer bagaille, surtout pour nous-mêmes. Femme parce que nous étions sous femme là qu'on y a je veux dire. Dans expérience moi comme directrice d'entreprise moi gagne opportunité de travailler en pile garçon comme manager jazz et tunage zinglin comme et porte-parole tabou combo ou bien et new look et différents autres et artistes ou bien booking agent donc moi côtoyer en pile garçon et même média au niveau média yo donc et mon expérience pam c'est que c'est une femme joindre respect le li même li respecter tête li tout parce que en fait l'homme prend ses carrières moi dans télévision et ça me content de dire si me tant des monde qui t'a parlé m'am de capable me quitter rentrer dans média côté dou ah depuis on fi dans média ou son fic facile et que mon a couché ou bien et sous comme son fille qui dans milieu musique et que ou facile. Yeah. Donc c'est ça en pile monde pensait ça et ou même en tant que personnage public dans qui vient à évoluer dans la société alors entre en côté mon a fait des commentaires désobligeants par rapport avec ou même que ouais là parce que moi j'ai vu ça plusieurs fois que m'aller dans des salons de beauté du fait que moi rentrer moi chita avec ça a des années que ça arrivait mais les styles étaient dans mes moments que parce que là et pourtant des commentaires des histoires désobligeants qui a raconté par rapport avec moun qui a fait télévision moun qui n'a moun qui et pas moun femme qui a fait télévision femme qui a évolué dans milieu artistique et tout temps qui a raconté toute histoire ou bien by fils ça femme ça des noms que hey qui pas une place yo. Et le pire c'est des femmes qui fait ça et assez souvent moun yo pas monter à parler
Définitivement pas. C'est triste pour elle que des fois, c'est femme qui a voyé, tant que l'a dit, tout y a sous femme encore. Ou même qui dit, dans l'expérience, mis à part de sort vivre de femme, mais des garçons eux-mêmes. Je suis capable de dire que j'ai gagné de très bonnes expériences avec les rares garçons que j'ai fait et que j'ai travaillé ensemble avec eux, bien côtoyé dans le milieu et professionnel. Oui, pendant que j'ai réfléchi là, oui, je suis capable même de dire, pas dire que j'ai gagné de supporter plus, mais j'ai gagné beaucoup plus de compréhension et d'attention. Bon côté yo, et puis yo pire au pin là on parle ensemble avec yo une vision ou bien venir avec une stratégie on parle que on a développé ensemble avec yo ou pas senti que on concurrence ou pas senti ou plus senti que moun nan la l'ap tande yo si on bail pour ajouter la pas ajouter ça qui compte différent là on faire réunion avec femme ou plus senti que hey soit dire bon mais l'a chercher jwenn un bagay pour li comme si pour li tacler ça va faire. Est-ce que Kounia nous a parlé que dans niveau dans niveau professionnel ou bien entrepreneuriat et femmes toujours voulaient faire compétition avec femmes pareilles, mais garçons plus réceptifs à idées et à esprit d'entrepreneuriat nous innovation nous. Je ne pas dit toujours parce que j'ai rencontré des gens comme Farah, j'ai rencontré Naïka, Karine, l'autre jeune femme qui là. Qui juste comprennent ce qu'on fait, vous voulez avancer ensemble avec vous, qui ont des conseils extraordinaires et qui épaulent vous. Vous jouez ça tout. Mais vous jouez des femmes tout qui vraiment fait balance par rapport avec les femmes que vous travaillez ensemble avec vous, les garçons que vous avez eu chance de travailler avec vous, font exposer au séminaire ou à l'éversalien. Compréhension ouverture toujours beaucoup plus par rapport avec les femmes qui sont à côté. C'est intéressant et dans journée ça que journée de la femme côté au parlant pire de égalité des sexes, est-ce que vous pensez Sabine que le terme égalité des sexes serait le terme le plus approprié ou bien est-ce qu'on a l'autre opinion sur collaboration entre femmes parce que nous va parler de et lutte pour que femmes yo pour gagner et droits respectés et pour nous pas parler de relation femme et garçon. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que terme égalité des sexes ça li... Non, pour moi-même, li just pas égalité des sexes pour moi pour qu'on parle contradictoire. Pour qui ça parce que femme c'est femme, garçon c'est garçon et nous chaque nous gagner atout physique émotionnel, intellectuel, qui est-ce qu'intellectuel là différent, pas fin dit net, mais émotionnel et physique qui complètement opposé. Donc, on pas qu'à parler de égalité des sexes pour dire moi ça ça garçon en fait moi-même en tant que femme moi qu'à faire tout en pensant que garçon vient aller lever 5 livres avec ou même moi en tant que femme moi venir me lever avec ou mais pour moi-même il pas OK donc déjà là une différence. Nous pas capable égal parce que la nature fait nous différents. Kounia, là on peut parler de garçon avec fille au niveau intellectuel, nous aller l'école, nous avons même possibilité, nous t'as supposé égal dans niveau ça, dans niveau au niveau professionnel, évolution dans la société, nous cas d'accord ensemble avec vous, sur le ça. Par exemple, un garçon ingénieur, une femme ingénieur, nous t'as supposé qu'à toucher même quoi ensemble avec lui, gagner même respect ensemble avec lui, gagner même contrat ensemble avec lui, ça c'est clair. Parce que là, nous avons l'autre niveau côté que nous avons un cerveau humain en fait, même genre, jusqu'à présent, scientifiquement, bah, comme tu as dit, cerveau femme différent de cerveau garçon. Donc, nous avons appris le même genre. Donc, si nous sommes capables d'apprendre le même genre, nous assimiler le même genre, dans le niveau professionnel, dans le combat que nous apprenons, nous apprenons, nous sommes supposés égal là-dedans. Mais là, nous avons parlé de tout l'autre aspect naturel qui gagne, physique, émotionnel, nous connaissons que les différents. Est-ce donc, que pas qu'à parler d'égalité des sexes dans niveau ça pour moi-même. Est-ce que le terme le plus approprié serait harmonisation et entre les sexes parce que au saut du bail qui est important et moi-même de par expérience moins qu'a dit carrière moins réussi en partie pas seulement de compétences mais c'est parce que j'ai de garçons qui mettent sous épaule qui permettent moi monter plus haut et puis qui boit des conseils qui ouvert avec
et comme avec idée de ou yo, et qui ouvrait porte pour moi tout. Exactement. Et m'a profité pour me saluer Pierre-Michel Théodat qui lui-même c'est concepteur, le visionnaire derrière Taylor Management Group qui d'ailleurs le nom Taylor c'est Théodat Laurieux, son nom composé Saint-Étienne avec et même conception Taylor là même si avec le temps m'évoluer conception vision compagnie mais en fait c'était lui qui était initial et me toujours reconnaître ça donc harmonisation et pendant ce temps il pas jamais de respecter il pas jamais manquer et des gars lui valoriser me comme femme lui supporter me lui backup moi donc pratiquement et est-ce que c'est pas comme ça tu as supposé y être tout le temps dans la société noire? Normalement, c'est comme ça que tu as supposé. En réalité, c'est ça que tu as supposé. Supposé, mais ce n'est pas ça qui est lié. Je dis là, il y a un petit genre complexe entre les relations femme à femme. Malheureusement, je ne connais pas si c'est. Bon, je ne vais pas laisser m'éteindre. Mais il est toujours petit gens puis compliqué moi-même je pas parler de Miss Haiti seulement parce que j'ai l'autre field que moi et évolué là-dedans je suis toujours jeune des garçons qui prêts professionnellement qui chita ensemble avec moi bon m'a dit de façon égale avec un garçon ou l'autre garçon pareil que comme si ça qu'elle t'a fait avec un garçon pareil chita lui faire ensemble avec moi et faire nous faire plein nous font série de bagailles et bon des conseils beaucoup plus même que une fille qui t'a dans même secteur ensemble avec moi qui pas bon moi ça que eux même y a bon moi parce que justement on doit sentir que ou en concurrence pour qui ça pas qu'on est ou vraiment pas contre pour qui ça bat. Il y a une concurrence qui là, soit parce que ou trop belle ou bien pas contre parler ou puis contre parler, toujours un petit bagarre nous même entre femmes qui viennent faire que bagarre parler, Jean-Claude Tadoué au niveau professionnel ou plus jeune ou garçon qui courait ou qui juste envie faire, pas dit que pas un garçon qui va faire des avances, qui va faire des bagarres qui déplacer. Nous joignons ni nous c'est humain, nous connaissons la société. Mais même parler de franche collaboration, pas plus jeune ou garçon épauler ou bon conseil du faire à gauche, du faire à droite pour faire. Ou même qui a regardé nous là, et mettez en bas live là, qui expérience ou est-ce que jeune garçon qui est polé ou comme professionnel, comme femme entrepreneuse, ou bien est-ce que vous sentiez que garçon mettez barrière et surtout pour pas progresser, ou bien est-ce que son femme qui fait expérience, compétition, et l'autre femme a bon compétition, l'autre femme a bon barrière pour pas passer. Donc, partagez l'expérience en bas live là, parce que définitivement, nous tous gagnons différentes expériences. Et même penser que c'est bon pour nous parler de diversité, ça y est, parce que assez souvent, la conversation Journée internationale de la femme, ça qui est plus que sorti, c'est que, oh! Mais garçons yo empêcher mesdames yo passer garçons yo a pas abuser femmes et nous parler tout de violence et garçons et sous femmes mais des fois tout n'oublier parler de violence femmes sous garçons sont femmes sous femmes ou bien femmes sous garçons donc et ça c'est il faut nous parler dans une seule direction dans la conversation et tout faut nous garder différents aspects yo. Donc moi-même comme entrepreneuse et professionnelle Sabine tout nous en position d'autorité, en position d'influence, comment l'on travaille avec moun que ou gagne pour bay ligne directive, comment ouais mesdames ça, comment ouais quoi c'est femme ou bien garçon, comment ouais yo est-ce que yo accepté autorité ou bien garçon et femme? Ça va dépendre de circonstances là. On pas venir rentrer dans série de bay vraiment pour me faire comprendre, mais qui complexe. Les complexes par rapport avec hypocrisie qui gagne par rapport avec opportunité ou bien un objectif que mon n'a défend que même on pas connaît par rapport avec ça il faut qu'on série de bagailles qui viennent faire que des fois ou pas fait pas son message ou penser qu'elle est passé et puis à la fin ouais que c'est pas ça qu'elle est donc pour milieu pas non que m'a pas bon en plus à parler de Miss Haiti que tout le monde connaît il est extrêmement complexe ou pas qu'à mettre un bagaille noir sur blanc la donne il est vraiment différent. Pour le noir sur blanc, faut que tous les deux mounyo décider de discuter franc, Jacques lié nous tous les deux à nous faire même expérience, bon parti pas là ou bon parti pas là et puis nous tous les deux nous d'accord mais qui côté ça t'es toi mais qui côté t'es raison mais qui côté m'était mal interprété mais qui côté m'était bien interprété à ce moment capable dire OK et autorité a accepté, leadership a accepté puis vision en passé. Mais tout autant pas bien ça, pas comme si ou pas capable vraiment définir ça lié dans milieu que moi et à moi-même.
Femme haïtienne en leadership, ça son sujet qui gagne en pile bagaille pour parler sous lui et nous ka wè en société noire pas gagne en femme en pile modèle de femme dans leadership et faut nous prendre ça plus faut nous une femme encadrer l'autre encourager l'autre de manière pour nous capables et voyer une montée et pour nous capables tout faire passer idée nous vision nous pour pays nous et exact. Ça c'est un bagage qui est important et m'encourager toute femme yon supporter l'autre ka gen mes ententes nous capables même gens mais là nous supporter respecter une l'autre très important ça permet que nous aller plus devant et c'est ça qui vraie lutte pour droit femme. En pile commentaire en bas live là, nous dit nous merci participation nous pour contribution nous à conversation ça sous en femme haïtienne dans millénaire ça patriotisme carrière et leadership ces conversations que et Sabine Désir avait me faire là yeux gagnent tout le monde qui fait vidéo bienvenue. Sabine et tout à l'heure quelques minutes de cela où tu as parlé de inspiration qui soit inspiré pour te rentrer dans un secteur concours, ça veut dire en anglais pageant, pour capable et préparer les jeunes filles pour aller représenter Haïti dans le concours international. Moi-même, j'ai parlé de histoire avec Pierre-Michel Théodat qui venait avec vision pour monter une agence de communication qui a fait promotion artiste sur le marché international. L'homme vient ici aux États-Unis, moi découvre l'autre monde. Et parce qu'en Haïti, ils ont considéré être un artiste, c'est pas un métier. Et être un artiste, c'est être un fainéant. Donc, ou pas un métier, ou pas l'école, ils gardent comme second class citizen. Donc, secteur artistique, dans ce secteur qui néglige, même si tout le monde a consommé, hein, consommé musique, consommé l'art culinaire, consommé les tableaux, la poésie, tout. Mais en fait, nous pas valoriser artistes dans le pays nous et c'est ainsi que moi même venir aux États-Unis moi et lancer une série de formation d'éducation et ça t'a venu permettre moi découvrir que le secteur artistique maintenant dans le 21e siècle secteur artistique là sont un secteur révolutionnaire. D'ailleurs, sont un secteur qui contribue à l'économie au pays, le développement humain, le développement social, le développement économique. Donc, sont un secteur qui vraiment est fort. Pour... C'est même qu'à dire que secteur culturel, c'est identité pays. Voilà. Ouais. Et donc, moi-même, à travers Taylor Management Group, c'est ça nous fait et nous utiliser or comme un moteur de communication entre la société et pour de communication entre notre société et l'étranger. Ou même, c'est soit fait tout, c'est toujours représentation Haïti sur la scène internationale. Mm-hmm. Donc, nous, c'est deux entrepreneurs sociaux qui peuvent pour une cause. Pour qui ça, vous pensez que malgré tout, Jean Payan a dégradé, la perte des valeurs, difficultés pour nous-mêmes haïtiens, pour nous entendre, nous, et ceci, nous, au niveau politique, au niveau social, et à tous les niveaux. Pourquoi sont pensés que l'important pour faire, sont continuer à faire? Moi, arrivé dans un moment côté que Gampil est mise en question, qui a fait par rapport non seulement avec la société noire, par rapport avec l'accompagnement, et surtout par rapport avec et tout sacrifice qui fait et qui résultat qui vient jouer nous à la fin. Et ça qui est toujours motivé pour continuer malgré tout. Je ne sais pas pour qui ça, mais j'ai un attachement spécial avec Haïti. Pour moi-même, Haïti plus que ça que nous avons, ça que nous avons consommé, c'est vraiment un monde pour moi. C'est un moment, c'est un. Je ne sais pas si j'aime être capable d'expliquer au monde qui j'aime que l'homme dit Haïti, qui j'aime sentir moi-même, qui j'aime sentir, qui savent moi Haïti en faire vibrer dans moi. Et par rapport à l'expérience que j'ai faite, je suis parlé de Saint-Guyane qui t'a vu montrer qui ça que nous capables de projeter, qui ça que nous capables de porter pour Haïti à travers le concours de beauté. Je viens de voir au monde comme si. Ou à couler, ou pas à respirer, mais ou là, au lieu qu'on fait bac pour sortir quoi dans le doigt et pour moi, ou à rentrer.
m'vin senti que c'est comme ça que mien et question pour qui ça? Est-ce que c'est par patriotisme? Est-ce que c'est par intérêt financier définitivement? Absolument pas. Patriotisme dans mon pays. Peut-être 2-3 mois de cela, j'aurais tout simplement répondu ça. Tout simplement, c'est ça qui t'a motivé, ça qui fait que vous continuez malgré tout. Mais pour le moment, là, qu'on y a aujourd'hui, là, bagon réponse. Ou ka pa gen réponse, mais à travers ce dit, à travers voix, émotion qui a dégagé, ou ka wè gen et toujours passion, c'est parce que vous voulez contribuer à un changement pour le pays. Et plus ça l'aide, certainement, défi au grand, les difficiles, et surtout les moi-même. Suicidaire, c'est un grand mot. Et plus, et certainement, quand on met ton monde dans la situation pour questionner tout pour dire pour qui ça. Et moi-même, pense que. Et, me ka permettre moi dire plus maturité passo définitivement oui et moins passer étape ça de côté me te dit tête moins pour qui ça et pourquoi il faut pour qui ça m'a fait et pour qui ça faut que moi continuer pour qui ça m'a continuer c'est parce que me croit que la lumière a toujours gagné sous les ténèbres. Moins continuer nan à travers travail moins à travers ça m'a implémenté à travers et service que m'a bail la communauté à travers Taylor Management Group vendre et utiliser or pour vendre Haïti sur le marché international pour contribuer à développement humain comme monde pour contribuer à développement social nous et pour contribuer à développement économique gen en pile moun ki kwè que si on faut qu'on en Haïti pour servir pays. C'est faux parce que à travers maintenant dans l'ère que nous vivons, nous dans un ère côté c'est le monde est devenu un village. Grâce à la technologie et à la communication, nous connecter à travers et tout côté nous y est. Donc nous pas limité encore par les frontières. Et ceci, quel que soit côté on haïtien y est, ou servir pays parce que ou sont ambassadeurs pour pays. Et nous-mêmes dans Taylor Management Group, nous utilisons le pouvoir de communication ça pour nous développer des outils de conversation, des images, véhiculer d'autres conversations pour capable vendre Haïti ou l'autre gens, que c'est le marché international ou bien entre nous-mêmes haïtiens pour nous changer de discours. Parce que ça, c'est pratiquement ça qu'on a fait là aujourd'hui hein, avec la Journée internationale de la femme. Nous devons continuer à lutter parce que le positivisme remporte toujours sur le négatif. Donc, nous continuons à lutter parce que je crois que les gens capables, les gens qui sont vraiment des patriotes, nous avons une obligation morale et civique pour nous collaborer, travailler entre nous, pour nous sortir tête nous et pour nous vendre l'autre image, pour nous inspirer l'autre monde. Parce que là, dans la société, côté monde qui est capable, monde qui a une image, qui gagne et qui a aspiré à la moralité, au patriotisme, yo même yo rentré dans trou, eh bien, on est une société qui perdue. Donc là, qu'on y est, pour reprendre le terme américain. Derrière tout chaos, dans le temps tout chaos, toute désolation, tout problème, il y a une opportunité pour l'émergence de l'autre mouvement, de l'autre génération de leaders. Et c'est le leadership ça que nous-mêmes, femmes haïtiennes qui sont compétentes, conséquentes, qui sont patriotes et qui respectent une autre, qui travaillent une avec l'autre, nous avons une obligation morale et patriotique, nous-mêmes femmes mieux, pour nous capables d'inspirer l'autre monde, inspirer l'autre jeune, montrer que gain haïtien toujours, montrer que gain volonté, gain modèle pour nous suivre dans la société. Et ceci, faut que nous la lumière, faut que nous dehors, faut que nous paraître, faut que dans les médias sociaux, tout, gain plus discours de vérité,
d'honnêteté, des discours de positifs, des discours patriotiques qui sortent de manière pour nous inspirer l'autre et changer mentalité. Je pense que nous avons pile pour nous dire, et certainement, c'est pas seule conversation, hein, mais c'est très difficile pour répondre à la question ça, leur regarder autour de vous dit est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Ou une société qui a dégradé, ou une société qui a une culture de la médiocrité, et pour reprendre le terme vulgaire que nous utilisons, Kounia, depuis c'est pas zin, il pas marché, donc nous prôné la médisance, malfaisance, et nous prôné tout ça qui est négatif. Depuis le positif, il pas marché. Depuis le négatif, c'est détruire l'autre, il marché. Donc, nous avons levé dans une société comme ça, qui de plus en plus, d'année en année, parti ça a bien plus puissant que sous parti côté que nous avons supposé, hey, nous avons entré dans le trou, là, qu'on y a qui sont capables de faire pour nous changer, pour nous vivre dynamique. Là. Il y a deux, trois personnes qui ont passé, mais nous avons passé, juste pas mettre la lumière sur eux, pas une voix, pas aussi puissant que les gens qui ont fait ça, qui dans l'autre bon, qui a fait que la société a continué de dépraver. Hein. Donc, là, on vient dans la situation, on fait analyse, où elle est, avec maturité, oh. Ou a toujours est beaucoup plus que ça au-delà de ça, mais pour nous-mêmes qui jeunes, qui encore jeunes, qui a évolué, qui a essayé d'aller à contre-courant, question, il était vraiment avec un gros point d'interrogation, est-ce que ça vaut la peine, devrait-on continuer? Oui, c'est une étape, certainement dans la vie, hein, il y a des moments de sécheresse, côté où question était tout, me dépasser dans un moment ça tout. Et écoute, je me doute de rêve moins, de idéal moins, de passion. Et il y a un moment tout cas privé que vous prenez sûr de conviction bon. Et vous après été ferme dans la conviction et la bonne courage pour continuer. Heureusement, je n'ai pas perdu parti ça. Je suis ferme dans la conviction, je rêve moins, objectif moins dans la vie, définitivement. Ça clair, donc certainement qui côté je voulais aller, qui j'aime voulais aller. Mais on a parlé de implication nous dans la société qui ça que nous voulons porter qui ça que nous voulons bailler et qui ça que nous voit que en réalité bagaille qui nous fait que les différents les difficiles pour répondre avec question pour que ça pour continuer dans direction ça mais direction personnelle là côté on veut aller pour que ça lutter et tout ça qu'on fait c'est autre qu'on veut faire pour arriver en lui. Non, mais pas dissocier ce qu'on fait au niveau personnel de ça ou que l'impact qu'on gagne sur la société. Pas jamais dissocier parce que attitude ou comportement sont prônés, c'est un reflet d'un groupe de monde qui aspire même à avoir. Et tout à l'heure, mentionné un bail qui est important, faut nous suspendre, faire individualisme. Je connais ce n'est pas facile parce que vous obligez, ils ont une question de, as I say in English, it's a game numbers. C'est-à-dire, faut checker 100 haïtiens pour jouer un haïtien qui est bon, qui voulait marcher avant. Donc, hey, c'est-à-dire, nous un nombre minoritaire, nous-mêmes qui prenons le positivisme, qui prenons le patriotisme, qui luttent ou qui croient dans nos convictions, nous un nombre minoritaire, mais rappelez-nous, l'histoire de l'humanité montre-nous. Il a fallu tout simplement un petit nombre d'hommes et de femmes conséquents, visionnaires, pour faire évolution. Nous-mêmes, haïtiens, nous avons fait évolution. Jeudi, en 8 mars, nous avons célébré la Journée internationale des droits des femmes. Merci à nous toutes qui avons participé dans la conversation, une conversation intéressante. Et nous connaissons que y a différentes opinions dans ce sens-là. Et ouais. Nous connaissons dans la Journée International Droits des Femmes, il y a plusieurs célébrations à travers le monde et l'Organisation des Nations Unies et lui-même a commémoré et il parle en pile de différence qui gagne en évolution bataille femme dans pays avancé avec évolution bataille femme dans pays qui en voie de développement. Par exemple, dans pays nous en Haïti, on nous regarde comment féminisme a commencé. Eh bien, et selon l'histoire, nous jouons que c'est en 1934 que Alice Garout et Madeleine Sylvain Bouchereau ont fondé les premières associations femmes en Haïti, littéralement, Ligue féminine d'action sociale. Et puis, en 1950, la Constitution 1950, les femmes doivent voter en Haïti. Et pourtant, nous parlons juste en 1991 que les femmes ont commencé voter dans l'élection.
Donc, ou ka wè que progrès nous fait très très lent. Ouais. Progrès, là, on a parlé de droits femmes, d'égalité femmes par rapport à garçons, même au niveau politique, nous pas de jeune ça. Et évolution, ça a fait tout doucement en Haïti. Et puis, c'est le 3 avril 1986, après départ et dictature Duvalier, hein, après départ Jean-Claude Duvalier, eh bien, pral gon gros manifestation côté mesdames, yo pral mandé pour yo participer dans processus démocratique là. Et c'est dans occasion ça que journée 3 avril et depuis 1996 tourné journée nationale mouvement femmes en Haïti. Et puis nous pral gagner constitution et 1987 ans qui pral bay femmes yo en pile droit qui mettait la même égalité avec garçons au niveau politique, social et culturel. Mais en réalité, nous joignons que le progrès n'a pas vraiment fait dans le pays. Nous joignons en pile problème en Haïti, en pile abus contre les familles, particulièrement avec une montée insécurité. Nous joignons que un gang a utilisé les familles comme un outil d'oppression et un outil pour, pour terroriser une population. Et ceci, nous parlons de femmes, seulement nous parlons de même de timoun en bas âge. Malheureusement. C'est bon, ça vient nous retrouver ça que nous avons dit, et puis devant, par rapport avec dégradation de société et puis éducation, qui n'est pas fait tout, qui vient faire que nous gagnons et conséquences sur la Kounia. Et pour notre journée spéciale, ça, côté que tout le monde a réfléchi à parler de femmes, 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 je pense que gagner des mouvements qui sont supposés faire beaucoup plus en profondeur. Dans quel sens? Par exemple, les femmes qui sont en position de leadership, moi-même ensemble avec vous, les ministères, les associations, je pense que vous êtes supposé commencer à réfléchir, et le ministère de l'Éducation commencer à réfléchir à impliquer un programme qui peut vraiment aider à sensibiliser. Sensibiliser dans quel sens? Selon moi-même, ce n'est pas sensibiliser pour dire protéger les femmes, femmes 10, femmes date, non. C'est sensibiliser pour montrer vraiment qui ça que lié respecter monde, qui ça que lié contre qui droit ou qui pas droit, qui ça que lié pour connait que on pas supposé gain telle attitude ou bien telle attitude, tel langage envers monde qui bon côté maintenant. C'est vraiment commencer faire éducation à la base qui pourrait venir faire que grand changement dans société. Et les 8 mars, c'est vrai que nous avons toujours célébré femme, mais à ce moment nous pas gain moins complain moins complaint moins plainte par rapport avec fait que fille a abusé fille ou bien a utilisé fille comme instrument pour terroriser l'autre. Donc vraiment second message nous t'a placé dans l'occasion par rapport avec situation femme et ça qui a passé en Haïti dans moment c'est ça que il est vraiment réfléchi avec une solution qui pra, avec un programme qui pourrait porter solution à long terme. C'est ça. Sabine, est-ce qu'on pas penser que mesdames qui dans secteur artistique, qui gagne pile viewers sur social media, mesdames qui fait vidéo clip yo, mesdames qui chante yo, est-ce qu'on pas penser que yo même tout yo gagne un travail pour faire parce que yo gagne pile moun qui attendé yo, yo gagne pile moun qui regarder yo. Est-ce que conversation ka limité seulement dans ça monsieur fait nous dans abus que nous recevoir ka garçon? Est-ce que mesdames ça tout yo pas ta utiliser plateforme yo aura que yo gagnent pour yo capable lever niveau conversation et lever niveau attitude qu'on parler parce qu'en fait moi crois que et conversation pas aurait été seulement dans question femme mais elle aurait été dans question respect une à l'autre respecter droit l'autre là pas seulement parler de droit pauvre oui. Mais respecter droit l'autre là et respect tout de comment nous devons vivre comme monde, comme et membre de société. Exactement. Je pense définitivement ça c'est un plus gros problème. Tout le monde ouais, je ne pas rien contre yo. Je me dis vraiment pas rien contre yo parce que le monde fait ça qu'on aime, ça qu'on sentit ou à l'aise la donner. Mais je pense en même temps que lorsqu'on a un pouvoir, non mais on parce que c'est un pouvoir que lié qu'on a. Il vient nous influencer sur les réseaux sociaux, il y a un pile monde qui suit vous, c'est un pouvoir que lié. À ce moment, je pensais que mon yo vraiment artiste et tout l'autre monde qui pas artiste mais qui gagne pile followers yo, surtout nous même dans la société haïtienne, on t'a supposé vraiment commencer ouais qui gens que nous capote contribution pas nous dans sens ça. Pas influenceur seulement pour belles cheveux, pour zone, pour produits que nous appelons, c'est faut que nous vivons, nous comprenons ça. On a fait influenceur pour ça, mais qui partie civique que nous capable porter?
qui patriotisme qu'on gagne la caillon qui ça qu'on voulait appliquer pour capable ou même porter pierre ou un changement qui supposé fait là. Donc imaginez que nous gagnons 5 dans tout influenceurs ça qui gagne 200 à 300 000 monde qui suivent mais 500 000 monde qui suivent. Nous décider OK, pendant 6 mois n'a mettre tête nous ensemble nous pour faire une campagne de sensibilisation ou bien une campagne d'éducation pour tel sur le civisme par exemple. Oui, sur le civisme. On choisit qui ça que qui point que n'a pour faire sensibilisation. Nous imaginer qui comme si qui impact que nous pour gagner non seulement nous changer parce que tout le monde pas attendu à ça, yo vinn curieux. C'est vrai que nous connaissons que moun yo gen réticence depuis c'est pas zé, yo pas la donne. Nous connaissons que moun yo gen réticence ça, mais en même temps, nous-mêmes nous guider, nous-mêmes nous faire route là. Donc si nous étions consistants ensemble avec lui, nous avons un résultat. Nous pas pas changer pays là. Nous-mêmes, nous comprenons ça, nous connaissons ça, mais il y a un pas qui commence à faire. Des gens qui sont vraiment fanatiques, nous qui d'amour, nous jeunes dire, qui cap suivre ça en affaire, qui mettent rad, nous mettent, qui mettent cheveux, nous mettent autres. Donc, les gens sont capables d'influencer autour de l'autre façon pour eux-mêmes être capables d'utiliser le pays et commencer à faire un changement dans la société. Nous. Bien dit, Sabine. Ouais. Merci à nous toutes qui branchent en bas la vin, qui a partagé commentaires et expériences nous ensemble avec nous. Nous avons fait un bon aller par rapport avec l'expérience personnelle, nous, que ce soit ça qui a rapport avec le féminisme ou pas, et que ce soit avec ça qui a rapport avec l'expérience professionnelle, nous, personnelle, nous, envie, nous, conviction, nous, objectif, nous, pour payer, nous, parce que des fois, nous travaillons à 80% par patriotisme. Qui ont déjà disparu qu'on y a un moment. Donc dans journée internationale femme, nous t'es vraiment voulu faire un like un brainstorming côté que deux femmes qui sont même impliquées dans la société à chaque niveau par eux capable de venir vraiment partager expérience ensemble avec nous et puis porter opinion nous tout sur ce qui a passé dans la société. Certainement et nous t'es prend plaisir de cette conversation ça Sabine, merci pour partager perspective et nous gain en pile d'autres conversations que nous ca fait sur différents sujets parce que nous grand pays pour nous construire ensemble. Pas oublier et suivre et toute page et plateforme et Miss Haïti organisation. Oui, Sabine Désir tout. Sabine Désir et Miss Haïti organisation aussi sur Instagram et YouTube. Instagram, Facebook, YouTube, yeah. Et puis, pas oublier de suivre Falaurieux sur Twitter, LinkedIn et puis Taylor Management Group sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Donc, on a continué le travail pour nous faire promotion et toute vision nous et à travers et travail nous que nous avons offert tous les jours, soit dans Taylor Management Group ou bien dans Miss Haïti organisation. Encore une fois, merci pour présence nous et puis nous dit un merci particulier à producteur nous Mackenzie Jeune. Merci tout le monde, bonne soirée et puis bonne fête toute femme. N'a célébrer femme chaque jour, nous célébrer tête nous, m'a célébrer Sabine, m'a célébrer tout Farah et toute l'autre femme vaillant, jam et conséquent travail, on pense spécial pour maman yo, madame Sarah yo, ti machin dans la rue yo, yo même nous connaît qui fait un pile sacrifice surtout dans situation pays et nous bon moi personnellement me pense spécial pour yo dans journée jeudi et nous même qui bon côté qui gagne dans environnement pour moi si nous capable bailler un petit bout. C'est bien et c'est pour nous continuer célébrer une note, c'est pour nous continuer aimer une note. Parce que, en fait, changement social que nous avons demandé, le pays nous voulait construire, commencer par une relation positive, acceptation, respect, l'une pour l'autre. C'est seulement comme ça que nous sommes capables de gagner une société qui, lui-même, qui a fleuri, une société côté monde qui a progressé et nous avons gagné un pays qui a développé. Bonne nuit, tout le monde.